c'est je ne suis pas prêtée, voilà, je sors de la douche, je suis en pyjama, enfin bref, c'est un peu la vidéo à l'arrache parce que j'ai un gros, mais alors un gros coup de gueule à passer à YouTube. Eh ben oui, c'est comme ça sera la première fois que ça arrive, mais là franchement, il faut que je déballe, quoi, voilà, c'est tout, c'est comme ça, il faut que je déballe. Il y a quelques temps de ça, c'était en septembre, YouTube m'avait enlevé 6 abonnés, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais 6 abonnés en moins. Quelques semaines après, je me retrouve avec 20 abonnés en plus. Alors d'où ils sortent les 20 abonnés en plus? Je ne sais pas, peut-être que ce sont des gens que j'ai rencontrés pendant mon périple et bah, qui se sont dit, bah voilà, on s'abonne à sa chaîne, patin, coup fin, c'est possible. Bon, bref, passons. Aujourd'hui, c'est mon fils qui me dit, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas sur ta chaîne. Enfin bref, je regarde YouTube statistique, hein, le YouTube statistique vidéo, je sais pas quoi là. Ouais, tu sais, les analytics, enfin bon, bref, je regarde et là, qu'est-ce que je vois? Moins 274 abonnés. C'est-à-dire qu'en un seul jour, il y a moins 274 abonnés. Waouh! Alors là, franchement, c'est le pompon. Je ne sais pas comment ils ont calculé leur coût, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je gagne des abonnés, j'en perds 200, je comprends pas trop là. Donc du coup, de 680 abonnés, je me retrouve à 400 et des poussières. Ok, d'accord. Alors moi, c'est simple. Ça fait déjà un petit moment que je me tâtais, que je me demandais si j'allais ou non rester sur YouTube. Est-ce que j'allais continuer à mettre des vidéos ou non sur YouTube? Parce que franchement, je commençais vraiment à en avoir presque assez de leurs trucs et de leurs machins. Je savais pas trop. Il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, je crois que YouTube, j'arrête, je vais continuer jusqu'à la fin de la tournée de Kenji Girac. Et après, stop, j'arrête les vidéos. Enfin, en tout cas, j'arrête la plateforme YouTube. Voilà. Parce que je sais pas, j'en sais rien. J'ai l'impression de. Enfin, je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les grands youtubeurs, ils sont sur un piédestal et que quand on. Et tous les petits qui n'ont pas encore 1000 abonnés, je sais pas ce qui se passe. Enfin, bref, ça me gonfle. Alors, tu vois, ce qui me gonfle le plus, en fait, c'est d'avoir travaillé des heures et des heures sur des vidéos et puis faire, enfin comment dire, mettre tout mon cœur et avoir mes tramé pendant des années pour avoir des abonnés, et là maintenant que je suis arrivée à 680 abonnés et que j'étais contente, qu'est-ce qui se passe? YouTube m'enlève moins 270 abonnés. Alors merde, voilà, merde, merde, merde et merde et merde. Putain, mais ça fait quand même depuis, je sais pas moi, 2014, je sais plus combien de temps je suis sur YouTube, j'arrive pas à décoller, et maintenant que je décolle, ils m'enlèvent des abonnés. Mais ils font quoi exactement? Ils font quoi? Alors je sais que ça arrivait déjà à quelques youtubeuses qui avaient ce genre de problème, se retrouver avec d'un coup moins 20 abonnés, et puis quelques semaines après, elles avaient 15 abonnés en plus, et puis quelques mois après, elles se retrouvaient avec moins 50 abonnés. Enfin bref, ça faisait toujours voilà, hein, le zigzag comme ça, c'était jamais stable. Et franchement, jamais j'aurais pensé que ça arriverait un jour à moi. Mais alors là, moins 274 abonnés, les gens, franchement, c'est vraiment déconné. Alors, je sais qu'il y en a certains qui achètent des comment on appelle ça, alors pas des followers, je sais pas comment on appelle ça. Je ne le fais pas. Voilà, je ne l'ai pas fait. Après, je sais aussi qu'il y a, alors là, c'est un truc que j'avais appris. Est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Mais paraît-il que si tu as des abonnés et que ces abonnés-là ne sont pas actifs sur ta chaîne, c'est-à-dire qu'ils sont abonnés mais qu'ils viennent jamais voir tes vidéos, qu'ils ne mettent jamais de like, qu'ils ne mettent jamais de commentaires, eh ben YouTube les désinscrit automatiquement de ta chaîne. Voilà. Ça, c'est pas la première fois que j'entends ça. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit et certains qui ont déjà plus que 1000 abonnés, hein. Voilà, ça se compte. Plus de 10 000, voilà, qui en ont déjà parlé de ce truc-là, donc je sais pas. C'est, voilà, c'est ce qu'on appelle des abonnés fantômes. Voilà, des gens qui sont abonnés et ils viennent voir une vidéo, mais ils les commentent pas, ils les likent pas, donc du coup, ben,
YouTube les désabonne automatiquement en pensant que c'est un abonné fictif. Voilà, c'est bête, mais c'est comme ça. Donc, je sais pas. J'en sais rien. Ouais, oh, je sais pas. Je sais pas quoi faire. Donc, là, je sais pas, les gens. Franchement, je sais pas si vous êtes arrivé à vous, là, aujourd'hui, pareil que moi. Mais en tout cas, je voilà quoi, je suis vraiment dégoûtée. Voilà, donc je sais pas. Dis-moi en commentaire si toi ça t'est arrivé. Est-ce que tu as eu ce genre de problème avec eux? Parce que ça devient vraiment du gros n'importe quoi. Mais franchement, mais sur le coup, je me demande s'ils font pas ce genre de truc pour qu'on aille sur une autre plateforme. Sérieusement. Parce que c'est pas normal. Enfin, t'as plus envie d'héberger tes vidéos ailleurs que là, quoi, du coup. Merde, c'est comme je te dis, ça fait des années que je trime, je sais même plus comment on dit, pour avoir des abonnés, ça, c'est des heures et des heures passées à monter des vidéos. J'arrive à avoir un certain nombre d'abonnés, je suis contente, et puis là, bing, il y en a plus. Bon, enfin, dis-moi ce que tu en penses, parce que là, franchement, j'en ai vraiment ras la cacahuète. Voilà. Allez, bye bye, à plus.